Salut tout le monde! Ça fait trop plaisir de vous retrouver. J'ai eu pas mal de choses à faire en ce moment, j'ai pas pu faire de vidéo, mais je fais quand même mes petites ouvertures de courrier avec vous. Et je vous remercie beaucoup les filles, je vous remercie pour vos envois, j'ai été super gâtée. Donc j'ai reçu cet envoi-là de Martine. Regardez un peu l'enveloppe, je vous la montre parce que vraiment, ce sont des fleurs faites à la main avec de l'aquarelle. Elle m'explique dedans qu'elle fait un petit peu de tout. Avec de l'aquarelle et vraiment je trouve l'enveloppe trop 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 belle. Donc je vous ouvre ça tout de suite, on ouvre ça ensemble. Et voilà, et celui de Pamela, que vous connaissez certainement sous le pseudo de Scrap à Pam. Voilà, bah, vous venez avec moi et on ouvre tout ça ensemble. Donc on va commencer par la jolie carte de Martine. Alors Martine, je vous en avais déjà parlé, elle a fait un... Elle n'a pas eu de chance, elle a fait un double envoi. Parce que donc son premier envoi, qui est celui-ci, n'était pas arrivé. Elle l'a envoyé le 25 mai, et à l'heure où je vous parle, on est quand même le 20, combien? 24 juin. Bon, je l'ai reçu il y a quand même quelques jours, peut-être le 20, 21. Mais voilà, elle a mis 3 semaines à arriver. Donc du coup, dans l'intervalle, elle m'a renvoyé très gentiment une petite carte. Et en fait, donc j'ai reçu sa deuxième carte avant la première qui avait été envoyée le 25. Donc c'est un truc de fou, je cherche même pas à comprendre. C'est vrai que moi, c'est pas la première fois que ça m'arrive. Moi-même aussi, je crois que le plus que j'ai eu, c'était un échange d'ATC qui a mis un mois à arriver. C'était pendant les périodes de fête. C'est vrai que ça m'est, enfin, c'est embêtant parce que c'est du travail, tout ça. Enfin, c'est vrai que c'est hyper embêtant, quoi. Mais voilà. Donc. Écoute, voilà Martine, hein, je lui ai renvoyé par message que ça lui a, pour elle, ça a été 2 fois plus de travail, mais pour moi, c'est vrai, 2 fois plus de plaisir. Elle était super cool, Martine, elle m'a dit, écoute, moi, c'est un vrai plaisir de faire, donc voilà, je trouvais ça hyper gentil. Donc, écoute, merci, merci Martine. Je vous remonte encore l'enveloppe parce qu'elle est vraiment magnifique. Franchement, le travail d'aquarelle, il est superbe. Donc voilà la carte qui est splendide. Superbe, superbe. Alors là, il y a tout un travail de différents papiers dans les mêmes coloris. C'est vraiment magnifique. C'est bien fait, le petit corset ressort bien. Donc vraiment, il y a énormément de boulot sur cette carte. Enfin, je trouve ça doit être un travail terrible. Donc merci, merci beaucoup. En plus pour que ça corresponde bien par rapport à la découpe et tout. Enfin, franchement, superbe. Donc, elle m'a fait une Memory Dex, donc très belle, avec de l'embossage à froid, des petits papillons et cultiver son jardin de bonheur. Donc, elle me dit qu'elle aime les couleurs automnales, les animaux, la nature, le partage, faire plaisir. Ben là, je l'ai vue, écoute, avec les deux envois. Et elle déteste la méchanceté gratuite. Alors, bah écoute, merci beaucoup pour ta Memory Dex. Alors, du coup, moi, les Memory Dex, j'ai pas de dice. C'est pas un exercice que je pratique beaucoup. On m'a déjà demandé, c'était lors d'un échange d'ATC, là, les ATC que j'avais échangés là sur ma chaîne, justement. Une Memory Dex, donc c'est vrai que j'avais été bien embêtée. Et surtout que j'en avais pas, moi non plus. Donc, j'en avais pas en modèle. Donc, j'ai fait au mieux. J'espère que ça a convenu, d'ailleurs. Écoute, je vais réitérer l'exercice avec toi, Martine. Pas de problème, je te ferai une Memory Dex. Et écoute, bah, tu me diras, hein, mais ça sera, voilà, ça sera... Bah, écoute, c'est vrai que c'est quand même plus facile quand on a une base, même si on ne fait pas exactement la même chose. C'est plus facile, ne serait-ce que pour les petites ouvertures. Mais pas de souci, je m'occupe de ça. Donc, merci beaucoup pour ton long mot que j'ai lu avant de faire la vidéo parce que c'est quand même, voilà, c'est mieux pour vous, c'est plus intéressant plutôt que de me regarder lire un mot que vous ne pouvez pas lire forcément parce que c'est plutôt intime. J'ai adoré, donc écoute, merci, je vois que tu as une touche à tout. Alors, elle me dit qu'elle fait broderie traditionnelle, point compté, dentelle au fuseau, dentelle frivolité. Alors là, écoute, tous les styles de dentelle. Que tu tricotes, que tu dessines, que tu peins l'aquarelle, enfin bon bref, plein de trucs de travaux manuels. Et apparemment le scrap, bah, c'est un de tes derniers, tu viens de t'y mettre, donc écoute, franchement ça se voit pas trop quand on voit ta carte que c'est assez récent et que tu trouves ça très addictif. Alors là je pense qu'on est tous d'accord, on va pas te contredire là-dessus.
Voilà, donc c'est aussi intéressant parce que tu m'expliques voilà ta manière de créer, donc c'est super bien. Et c'est vrai que, comme je disais, bah, c'est vrai qu'on même si on ne se rencontre pas physiquement, bah, on se connaît un peu mieux comme ça. Et c'est vraiment cool. C'est vraiment ce que je voulais. C'est super de faire connaissance comme ça, de mettre une personne derrière un pseudo, derrière un nom. C'est vraiment chouette. Donc écoute, je te remercie beaucoup pour ces deux envois. J'en suis désolée, enfin, même si moi j'y suis pour rien, quelque part. Mais voilà, je suis désolée que tu aies eu à le refaire. Et un grand, grand, grand merci. Alors, attendez, que je vais cacher les adresses. Voilà, déjà la mienne, voilà. Pamela, belle enveloppe, dis donc, je sais pas où tu l'as trouvée celle-là, mais très très belle enveloppe. Alors, Pamela, tac, attendez, sans. Alors, c'était Noël, Pamela. Alors, franchement, là, tu m'as super gâtée. Vraiment, j'étais. Alors, entre les deux cartes de Martine et l'envoi de Pamela, vraiment, les filles, un super merci parce que ça fait hyper plaisir. Alors, là. Moi, j'ai adoré parce qu'il y a y a un souci. Enfin voilà, quand tu reçois ces trois choses, vous voyez, il y a un fil conducteur là dans les couleurs, dans tout va ensemble quoi. C'est vraiment un envoi à prendre dans sa globalité. Tout va ensemble. Bah, du coup, je vous montre ça en premier. Ce sont des petits embellissements faits maison et ils sont magnifiques. Ils sont superbes. Donc je vous les montre parce que pour vous aussi, ça peut donner des idées. Ils sont vraiment beaux là, donc dans les teintes de bleu, vraiment vraiment superbes. Donc merci merci. Après j'ai pas su quoi ouvrir en premier et j'ai commencé par ton ATC et là attention accrochez-vous, ta ta ta, attention, fais un vœu. Alors le vœu il est tout fait, je peux pas vous le dire sinon il se réalisera pas. Mais voilà, en ce moment je suis sur un projet dans ma vie perso. Hyper important qui compte beaucoup. Et alors franchement quand j'ai ouvert ton ATC mais je me suis c'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo là, j'ai vraiment la tête ailleurs. Et vraiment quand j'ai ouvert et j'ai fait un vœu, bah, j'ai tout de suite fait mon vœu parce que vraiment écoute, ça tu le savais pas mais ça tombe à pic. Donc écoute, j'espère que ça va me porter chance. Je vous dirai tout ça bien sûr, je vous ferai suivre. Rien à voir avec le scrap hein, c'est vraiment perso hein, mais voilà, c'est quelque chose de très très important. Et voilà, on est un petit peu dans une situation délicate pour l'instant. Et j'espère que ça va vite se tasser. Parce que là, pour l'instant, c'est vrai que c'est un peu dur. Et on espère. Voilà, bah, rien que d'en reparler, s'il y a de l'émotion qui remonte. Mais voilà. Donc écoute, merci beaucoup. Franchement, ça me touche énormément. Surtout en ce moment. Ainsi que vos petits mots à toi et à Martine. Super sympa sur ma chaîne. Voilà, vous m'avez dit toutes les deux. Enfin. Donc via ta chaîne, enfin félicitations, tout ça, et ça fait vraiment chaud au cœur, ça fait du bien. Voilà, c'est vraiment vraiment cool. Donc ta carte, voilà, avec le pareil le petit bandeau pour la fermer. Hop, donc ici, c'est le petit mot. Et regardez dedans aussi, on est sur le même principe. Voilà, suis ton cœur. Et c'est bien fait parce que c'est sur du carton un peu. Enfin, du carton, du cardstock. Donc c'est un peu fort, donc ça coulisse super bien. Ton papier, il est super beau là, avec le foil. Donc c'est vraiment beau. L'association en plus des couleurs est chouette. Puis en plus, voilà, moi j'ai trouvé que le fait que ça aille ensemble comme ça, enfin j'ai trouvé ça vraiment, vraiment bien. C'est un peu le. C'est le souci du détail. Donc merci pour ton mot. Merci beaucoup. Ah oui, c'est ça aussi. Et en plus, tu es de Rouen. Donc, on est vraiment pas loin parce que moi, je suis du Havre. Donc, on est dans le même département. Bon, à 60. Non, 60, 100 km, je sais pas. C'est vrai que Rouen, j'y vais jamais. C'est, voilà. Je reste au Havre. Mais en fait, on n'est pas très loin. Donc, c'est plutôt sympa d'avoir une voisine normande. Donc, hop, oh là, je prends ça dans le tampon, si en plus je l'abîme. Donc voilà, je vous le remonte une fois, parce que c'était vraiment trop, trop, trop joli. Ça m'a fait trop plaisir. Donc apparemment, la poste a des petits soucis. Enfin, la poste, enfin, bref, peu importe. Enfin, voilà, il y a parfois des colis qui mettent du temps.
Oh, bah mince, je suis seule, là. Voilà, Martine, enfin voilà, je vous dis, le deuxième envoi est arrivé en quelques jours, l'autre a mis plus de 3 semaines, j'ai reçu le deuxième avant le premier, enfin, c'est à n'y rien comprendre. Là, c'est pareil, j'ai Brigitte qui vient un peu aux nouvelles. Alors moi, tendance à dire, on ne panique pas. Voilà, quand moi je vois des lettres qui mettent 3 semaines ou 1 mois à arriver, bah, du coup, si voilà, si moi c'est pareil, si je sais qu'il y a des courriers qui sont partis depuis un petit moment, le tir, alors le clôture du concours le 5 juillet, enfin, mais c'est le tirage au sort, je le ferai peut-être un peu plus tard, du coup, parce que voilà, parce qu'il faut que ça soit quand même équitable. Surtout que là, c'est pas ni de votre ressort parce que vous s'envoyez dans les temps, ni du mien, donc il n'y a pas de raison que quelqu'un en pâtisse, quoi. Voilà. Donc pas de panique là-dessus. Bah, écoutez, je vous remercie encore. Merci, merci beaucoup. Merci mille fois les filles. Gros, gros, gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye!